Allez, c'est tout le monde ici, Mister XFR. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce premier épisode de Papoigno. Donc, je lance le jeu déjà, ce serait bien. Donc, j'avais prévu à la base de vous faire en post-commentary en fait, mais je me suis aperçu que c'était une mauvaise idée, tout simplement parce qu'en fait, j'ai rien trouvé à dire sur le jeu. J'ai dû faire une quinzaine de lignes au maximum. Et donc, vu qu'un épisode va durer 20 minutes en moyenne, ça fait un peu court, enfin, ce que j'avais écrit, ça faisait un peu court pour la vidéo, justement. Donc, Papoigno est développé par Minority et édité par Sony Computer Entertainment. Et il est d'abord sorti le 15 août 2012 sur PS3, et puis le 18 avril 2013 sur Steam, donc disponible sur PC. C'est un puzzle game plateforme. Je viens de m'apercevoir que ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Donc, non, 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 merde. Non, j'ai vous spoil. Bon, je vais faire un coupure. Et voilà, on se retrouve donc au menu. Donc, désolé de cette petite coupure. Voilà, commençons une partie. Il va y avoir une cinématique, je me tais. Et donc nous revoici après la petite cinématique pendant laquelle vous avez pu voir que je faisais ça en fait. Je changeais ses chapeaux pour mettre sa coupe de cheveux normale. Donc j'y avais pas pensé en fait à la base de lui mettre sa coupe. Parce que j'aime bien lui mettre un 50 pied sur la gueule. Donc ces chapeaux là en fait vous devez les collecter au cours du jeu. Mais ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc voilà, on se retrouve avec notre héros dont on ne connaît pas le nom pour le moment, qui est sauter et rien faire d'autre, parcourir comme un débile pour le moment, pareil. Et donc on se retrouve à peu près, je sais pas, on dirait des favelas. Enfin, moi je sais que c'est, enfin, après avoir vu le reste du jeu, on peut déduire que c'est des favelas. Et donc, bah, déjà je me cogne. Oui, donc là c'est la version PS3, donc il y a des petits bugs de collision de merde comme ça là. Apparemment n'y sont pas sur Steam, donc je n'allais pas repayer une version Steam. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas Steam, moi ça veut rien. Si vous voulez, il est dispo à 12,99€ sur deux plateformes. J'ai regardé tout à l'heure tout ça, et si je regarde pas mon écran, ça ne marche pas. Donc voilà, au niveau graphisme, je le trouve quand même beau parce que c'est un jeu indépendant. Ou des trucs comme ça, mais bon, ouais, ça va, c'est pas super moche non plus. Le niveau difficulté, par contre, c'est un jeu vraiment très simple, hein. Sans vous le cacher, c'est voilà, ça se résume à ça. Actionner des mécanismes qui ne sont pas vraiment difficiles, on n'est pas obligé de les actionner jusqu'au bout. Par contre, là. Donc pour la version PS3, la caméra se gère avec le stick droit comme la plupart des jeux. Déplacement stick gauche, croix pour sauter, carré pour les actions comme cela. Et donc voilà. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de dialogues, les dialogues sont sous-titrés en fait. Donc voilà. Ça c'est une boîte à indices. Je vais vous montrer pour la première, mais
pas pour les autres, hein, ça sert à rien non plus. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc à l'intérieur, des dessins qui nous disent comment on... Enfin, c'est des petits tutos. On peut se déplacer avec aussi, ça c'est sympa. Par contre, on ne peut pas sauter. Ah, mat. Le gros bug. Donc voilà, le jeu quand même un peu pompier, vu un petit bug comme ceci. D'ailleurs, j'avais enregistré 4 épisodes à la suite, sans commentaire. Et j'ai subi un gros bug à l'épisode 4. J'espère qu'il se reproduira pas dans cet enregistrement. Puis si ça le fait, bah, ça sera pareil, une petite coupure. Puis voilà. Niveau collision, c'est quand même bien buggé. Donc je vais vous montrer comment on obtient les chapeaux. Donc il faut savoir qu'on peut les obtenir qu'après avoir fini une première fois le jeu. Le jeu qui a une durée de vie à peu près équivalente à celle de Crysis 3, donc 3 petites heures maximum. Enfin, moi perso, j'ai passé 3 heures pour finir la première fois. Et les chapeaux sont à collecter tout au long de l'aventure en fait. Il y en a plus ou moins deux par niveau. Ouais. Et donc les chapeaux, pour les obtenir, on les obtient sur ton pas, sur ces petites poupées de chiffon, je sais pas trop, attachées à des pics. Si vous n'avez pas trop le chapeau qui est dessus, bah la poupée aura un chapeau sur la tête. Et il vous suffit de vous approcher, peut-être d'appuyer sur une touche, je me souviens plus. Et à ce moment-là, vous pourrez collecter le chapeau. Petite précision en plus, donc là je lis 2 secondes ce que j'avais noté. Donc vous avez peut-être vu la, pas lu la petite phrase du début, qui était une sorte de petite phrase hommage de Vander Caballero. Donc Vander Caballero, c'est le créateur de le directeur créatif, j'ai un peu du mal. Donc le directeur créatif, et donc en fait le jeu s'inspire de son enfance tout simplement. Et donc comme le dit, voilà, un autre petit bug, on vole par endroit. Donc comme le dit la petite phrase, en fait on va devoir essayer de résoudre, enfin résoudre, de libérer notre père du monstre qui l'habite. Sur la miniature, vous avez sûrement vu, il y avait un gros monstre tout rose. Pour rien vous cacher, c'est ce monstre-là que l'on verra par la suite du jeu. Et puis voilà. On va comprendre aussi qu'est-ce qui amène ce père à être un monstre aussi. Donc, si vous réfléchissez un peu, vous trouverez très rapidement. Et voilà, ma gorge commence déjà à déconner. Et donc voilà, j'ai fini de dire tout ce que j'avais écrit. Donc je vais lancer la loupe pour avoir une meilleure vue sur le jeu. À savoir que, comme je l'ai déjà dit, la grandeur d'une fenêtre, si je mets pas la loupe, c'est équivalent. C'est plus petit même qu'une fenêtre YouTube. Si vous la mettez pas en grand écran. Donc c'est un peu chiant pour jouer. Encore là, on peut pas dire que c'est un jeu vraiment chiant à jouer non plus. Il est vraiment très simple. Hop, elle est au nargue avec ses portes magiques qu'on ne peut pas emprunter. Quelques petits freezes, c'est vraiment chiant. J'espère que la face ne se met pas à jouer en même temps. Et que vous n'ayez pas le son en double non plus, vu que je suis assez proche. Après, assez proche du casque. Donc voilà, un autre type de mécanisme. Très sympa. Donc elle, avec sa craie magique, se téléporte lui. Et en fait, là, le but, c'est de déplacer ses caisses.
D'ailleurs, là-bas, le cube blanc que vous voyez permet de récupérer le coupé cubo. Donc là, on a des additions, donc c'est le début. Il faut savoir qu'on peut aussi les placer en biais comme ça. Tac. Et ça nous permet de traverser en fait en 3 niveaux. Bon, là, je vais pas le faire parce que je suis quasiment sur le fail. La gueule là. Et regardez, si on met là, on peut les enculer. Il y a aussi une physique. Là, je vais pas avec ça. Normalement, on peut aussi faire renverser des maisons si on veut. Voilà, là, vous voyez, la maison s'est renversée. C'était juste pour vous montrer un peu la physique du jeu qui est quand même assez compliquée, je trouve. Non, pour regarder. Surtout que j'ai pas trop l'habitude de mettre des gens. C'est là, petit bug long. Pourquoi il y a un palmier avec le palmier proche là-bas? C'est le mystère du jeu. Donc, notre héros, je crois qu'elle l'a dit. Donc, il s'appelle Kiko. Kiko, comme le petit bonhomme de Quick, un peu. Je sais pas si vous en souvenez, d'ailleurs vous allez avoir sûrement une image qui va apparaître si j'arrive à la crester. Et puis voilà. Surtout si je m'en souviens aussi, parce que je me souviens un peu trop de. Voilà, nouveau mécanisme, les clés, comme dans les vieux jouets. Éclair ressort, je cherchais le mot. Et les plateformes qui permettent d'ouvrir des choses, comme les portes. Donc voilà, là vous avez remarqué, c'est chronométré, mais on ne peut pas y accéder pour le moment. Je crois qu'il y avait ses maisons sur patte. Là, c'est le même moyen de qu'elles ont se placer, je trouve ça original. Donc voilà, on peut même rester dessus pour aller directement en dehors. Après le jeu, je connais plus ou moins par cœur si vous voulez, donc. C'est pour ça que je vais aller un peu vite. J'ai calculé que ça devrait faire environ 5 épisodes pour le Let's Play Walkthrough. Je sais pas trop comment le. On va dire Playthrough parce que je ne montre pas où c'est que les chapeaux et tout. Ça se rapproche plus du Walkthrough. Que je connais assez bien le jeu. Enfin, je connais bien le jeu. J'ai dû le finir en 3 fois. Parce que 4 avec l'autre fois, enregistré. Donc voilà, on a des 4 maisons qui nous font là-bas. Maintenant. Ouais. Bon, on a largement le temps. Enfin, pas ultra vite. Où elle est. Voilà. Avec la petite cinématique, c'est un truc. Pareil, on prend des petits mécanismes de débile. Voilà. D'ailleurs, ça va porter le signaux. Donc, hop, on prend la boîte maison, tac, on la lâche, on saute dessus, on tire ce petit levier. Et j'ai pas rien à vous dire sur le jeu parce que j'ai pas trouvé plus enseignement que ça, avec un petit fail au passage.
J'ai pas regardé les crédits pour voir qui avait fait la musique, s'il était connu dans les jeux vidéo, et vu que c'est une boîte indépendante, je ne pense pas qu'ils aient recours à des personnalités du monde du jeu vidéo pour justement faire la musique et tout. Ça aurait été peut-être intéressant que je vérifie, tant pis. Alors, juste avant d'aller dans le trou, là, je vais vous montrer une poupée qui m'a bien fait chier à trouver. En fait, il suffit d'aller là, mais je l'avais pas vue la première fois, la deuxième fois non plus, la troisième fois, c'est là que je l'ai vue. Parce que je cherchais minutieusement, justement, où étaient les chapeaux. D'ailleurs, voilà, vous pouvez voir les 25 chapeaux sont en bas. Par contre, on peut les voir que dans le menu principal ou en dessous. Ça. On peut pas zoomer sur ce personnage par contre. J'essaye en pleine gueule naturellement. Par contre sur mon écran là c'est plein de... Enfin vu que j'ai utilisé la loupe c'est vachement aliasé. Donc si vous voulez ça fait une bouillie de pixels quand je me mets super proche. Hop. Et petite... pseudo-cinématique, je sais pas trop. Vu qu'on dirige notre personnage, mais il suit quand même une certaine ligne, on peut pas partir en arrière ni rien, on peut faire que ça. Puis voilà. Et ces petites scènes là vont nous permettre de connaître un peu plus pourquoi Kiko considère son père comme un monstre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est des scènes fixes. Avec nous qui courons, là on peut voir Kiko dans sa voiture avec sûrement la personne qui est son père. Chose qui me perturbe un peu quand même, enfin ça fait un peu bizarre, c'est que son père est tout blanc et lui il est tout noir. Donc voilà. Cette connasse toute étranglée. Et là, chose incompréhensible, on se fait dessaper par le petit robot violeur là. Donc, le petit robot, c'est celui qu'on voit au début. Tais-toi, saloperie. Donc, ils nous disent qu'on doit retourner voir monstre. Et le robot s'appelle Lula en fait. Ou Lula. On doit le suivre là, il nous explique. Que l'on doit faire. Allez, tais-toi, saloperie. Donc, avec ce robot, on va acquérir le double saut. Allez, dépêche, tais-toi, je m'en fous. Donc, ça, on peut pas les sauter dans ce petit tuto là. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut le jeter. Hop, on peut se barrer, et si on court sans s'arrêter, en fait, il ne me rattrape pas. Donc là, je me suis cogné. Mais... je sais pas si je tourne en rond, si va pas me rattraper. Ah, ça ne mourra jamais. Bon, par contre, on n'a pas le double saut sur la patrouille. Il nous sert de petite pack en fait. Et hop. Donc ouais, ce morceau de tôle il m'a fait rager plusieurs fois parce que je tombe. Et avec Lula on peut aussi débloquer des nouveaux mécanismes. Voilà, je m'en fous, tais-toi. D'ailleurs, si on regarde pas avec la caméra, là vous voyez ça s'active, mais si on regarde plus, ça marche plus. Et on peut lui faire tirer Lula. 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 Hop, on était pas chaud. Lula. Alors là, je crois que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais... voilà, c'est fait un accessoire. Avec
Donc ouais, vous voyez, ça fait vraiment très favela, ça, entre les peintures sur les murs, des maisons de toutes les couleurs. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça, des favelas, c'est souvent très coloré. Et très... les gens posaient les unes sur les autres, de façon à la recherche. Donc voilà, on active ce mécanisme qui fonctionne des places comme ça. Et donc là, on revient dans cette zone dans laquelle on était. Et j'aime bien ce passage en fait, au niveau de l'animation. Carré, ça marche mieux que triangle. Donc triangle, c'est pas appelé loin. On est sur une maison fourmi. Niveau animation est bien fait. Bon, après, ça doit être le truc super difficile à faire dans le monde de l'animation. Ça doit être beaucoup plus hard, je pense. Mais bon, j'y connais rien en programmation. Je préfère l'animation. Et par contre, je sais pas ce qui se passe si on tombe à côté, mais j'ai pas envie d'essayer. Voilà, quand on saute, la maison se baisse. Et s'endort. Et donc là. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il crie Lula à chaque fois qu'on va. Là, on évite le tuyau plein de pisse. On va ici, on réactive le tuyau plein de pisse. Ah, ta gueule. J'ai lu aussi sur internet que la version Steam était moins buggée. Donc ça doit pas être plus mal si en plus vous n'avez pas la PS3 de le prendre sur Steam. Sans compter qu'il y aurait sûrement une combo très régulière sur le jeu. Perso, je l'ai eu à une dizaine d'euros avec PlayStation Plus vu que j'étais abonné 3 mois pendant 100. Enfin, quand le jeu est sorti, donc j'en ai profité pour le prendre, vu qu'on m'avait aussi offert une carte de 20 € sur PS. Sinon, ouais, 13 €, franchement, ça fait un peu cher pour le jeu quand même. Et là, on va arriver à la fin de la vidéo. Non, c'est pas tout de suite. Hop. Voilà, on rentre dans ce petit tuyau. Tuyau qu'on ne peut pas grimper. Là, on est bloqué. Mais on vit. Caméra. Et voici en haut du tuyau. Donc là où c'était bloqué, non, c'est l'inverse qui est bloqué. On continue notre chemin et l'apparition de monstres. Je vous laisse la découvrir. Et donc voilà, on active le mécanisme, cette porte, là-bas on peut voir un monstre. Là, c'est un monstre qui rentre dans son taudis. Combien de temps cela fait? Je ne sais pas si ça va sauvegarder normalement. C'est toujours à ombre à une surprise. Je me souviens où j'avais arrêté. Faut savoir que maintenant les épisodes, enfin les vidéos vont faire 20 minutes tout simplement parce que sinon il y a un gros décalage qui se fait entre la vidéo et le son en fait. Vous avez peut-être pu le remarquer dans la dernière vidéo de Skies of Arcadia. En tout cas, c'est là que je m'en suis rendu compte, moi, perso. Quand je dis qu'on va s'arrêter sur le château de Disney. Enfin, sur la dernière, c'est la 4.
Je sais pas si j'en aurais fait d'autres en entre-temps. Et pourquoi tu montes pas du con? Je t'ai tué. Donc ouais, j'en ai pas fait d'autres depuis. J'avais fait les 4 premiers épisodes de Papogneux juste avant, mais sans les commentaires. C'est là que je me suis rendu compte que c'était tout pourri. Voilà. Donc je préfère jouer sur le vif en commentant. Même si ma voix est beaucoup moins claire à ce moment-là. Donc les vidéos feront 20 minutes. Là ça monte la deuxième plateforme. Et là cette connasse vient de voler le troisième cube. C'est pour ça que je l'ai laissé loin exprès. Donc, le but c'est envoyer des traces noires au sol là. Là, on l'a fait aller venir là-dedans. Non, fail, on peut pas mourir. On tombe juste avec un gros flash blanc. Hop. Et là, on tire le levier. C'est quelque chose que j'avais oublié de vous montrer. On pouvait pas mourir. Hop là. Elle est vexée, elle se barre. Nous, on récupère notre cube. Et on va déclencher. Enfin, une porte. On va déclencher, on va ouvrir plutôt, c'est plus foncé. Et donc voilà, la vidéo va s'arrêter sur l'arrivée dans le nouveau lieu, et donc au nouveau chapitre également. Et putain, pourquoi il a pas sauté jusqu'au bout? Bon, je suis un peu trop pressé en fait, je crois. Et donc là, on rentre dans la porte. Et sauvegarde en cours. Donc je pose ma manette. Je retire la loupe. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 de Papoigno. Ou un prochain épisode de Skies of Arcadia. Ou peut-être une autre vidéo, qui sait. Là on est début juin. Vraiment la première vidéo que j'aurai en stock. Et bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde.